Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Sur Obscur, on était dans l'amphithéâtre. Et où on peut voir tout l'amphithéâtre depuis là. Mais où on va peut-être pouvoir utiliser une bobine. Genre la bobine. De film 23. Faudrait baisser l'écran pour projeter un film. Faudrait baisser l'écran pour... Il se fout de ma gueule. Mais arrête de regarder ça, j'en ai rien à faire. Bon, du coup, marche arrière, on va aller baisser l'écran. Genre, il aurait pas pu le faire tout à l'heure lorsque j'ai... Explorons cet amphithéâtre. Je lui ai rien demandé, c'est quoi ce délire? Genre, elle parle de sa propre initiative. Y'a rien à récupérer ici. Y'a rien à récupérer ici. Ok, alors bon, attendez, je vais quand même monter les escaliers là parce que... Je suis sûr qu'il y a quelque chose à trouver ici. Ouais, moi aussi, j'en suis certain. Genre... du ruban adhésif. Je trouve plus de ruban adhésif que de... Il doit y avoir quelque chose d'intéressant par ici. Il y a des fausses canettes là, c'est insupportable. Je trouve plus de ruban que d'armes, c'est normal. Je pige rien à ce que je fais. Ah bah voilà, j'ai baissé l'écran. Ah mince, il faut que je continue en plus. Ah non? Non, ça se baisse juste jusque là. Oui, c'est bizarre. Tiens, allons là-dedans aussi. J'ai envie de faire un peu tout le tour du jeu avant de regarder cette bobine 23. Mais... il y a un bruit, il y a un bruit. Mais je me souviens plus, 23, c'est pas le nombre... Ou alors c'était 21. Le nombre de ce film avec Jim Carrey qui s'est un peu essayé à l'horreur. Enfin, l'horreur, c'est un grand mot. Ils ont un film un peu thriller psychologique, vous voyez. Je crois que c'était le nombre 23, il me semble. Les bruits viennent d'en bas. Sans deck. Ça marche pas. Mon charge. Oh là là, mais attendez, on va regarder le film avant, là. Ah, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. C'est le décor qui a servi pour la pièce Roméo et Juliette, on n'a rien à faire. On va aller regarder ce film. Sans bruit bizarre. Je pense à un truc, le personnage peut pas laisser les portes ouvertes, comme ça il n'aurait pas juste à les ouvrir et les refermer toutes les 10 secondes. Allez, Bobine 23. Mais j'en ai rien à faire de cet écran, Bobine 23. Mais c'est Friedman! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va s'électrocuter. Ah bah oui. Mais quel est le but de l'opération? Mais qui c'est cette personne? C'est l'infirmière? Ah non, c'est... Mais il s'est ouvert le poignet? Commentaire. Y a rien à récupérer ici. Non, il a rien à dire. Explorons les lieux. Bon, c'était très instructif, je suppose. Il a inventé l'inverse de la bébé crème. La crème qui rend encore plus moche. Il se transformait en monstre. Miaou. Je vais explorer cette porte aussi que... Cette serrure a l'air facile à crocheter. Oh, oh. Ça a l'air facile à crocheter. Crochetage en cours. Shannon, tu es censé me couvrir. Ouais, porte ouverte. Ce sont des munitions de fusil à pompe. Y a rien à récupérer ici. Y a plus rien à récupérer. Shannon, prends la porte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle crochette. Oh bah c'est cool. Elle croche tétété. Squeak. Ça en fait des serrures. Comme elle marche. Et moi je suis pas. J'ai pas envie d'y aller. Ok, on a juste fait le tour. Je me demande comment utiliser ce monte-charge. On s'en fout. Rien d'intéressant ici. Je voulais voir parce qu'il disait qu'il y avait un truc intéressant dans l'amphithéâtre et j'ai peur d'avoir raté un truc. J'en suis sûr, il reste un truc à ramasser. Mais quoi donc?
J'ai fait tout le tour. Il n'y a plus rien à ramasser ici. Je suis en train de bourriner ma touche A, hein, mais il ne trouve rien du tout. À part des affiches de films. Il n'y a rien du tout. J'ai pas trouvé ce qu'il y avait d'intéressant. J'ai fait tout le tour de la pièce, je vous le jure. J'ai appuyé sur A partout, j'ai rien trouvé. Moi je pense qu'il n'y a rien, c'est un gros mytho. Il reste un truc à ramasser par ici. Non, il reste rien. Donc on va continuer comme si de rien n'était. Voilà. T'as rien d'intéressant ici. Donc ici on s'en tape. Alors, ce monte charge. Comment que ça marche? Les bruits viennent d'en bas. Sécurité désactivée. Ben voilà. Bah ben c'est parfait. Shannon, viens avec moi. Shannon, rentre à l'intérieur. Voilà, c'est parfait. Il me faut quelque chose pour maintenir les grilles ouvertes. Ah, genre une planche de bois. Pic. Shannon, viens ici. Ah, c'est bon. Elle a pas besoin de rentrer. Ouais, on est monté à l'étage. Bonjour. Ah, c'est un monsieur. Vous n'avez rien vu. Ok, tout est gravé. Tout est grave. Ça a rien fait, ok. Je prends ma petite boisson énergisante alors. Oh, pièce. Ouch! Genre, il m'attaque et j'ai pas le droit de l'attaquer. Brûle. Mais ça fait rien, je peux pas le blesser en fait. Je cache juste des munitions. Le jeu m'a gratuitement. Aurel, elle est déjà remontée dans l'ascenseur. Je me sens bien mieux. Genre, j'ai peur. Y'a plus rien à ramasser ici. Mon charge ne peut plus bouger. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais qu'est-ce que je peux faire ici? Attention! Genre, d'un coup, on a le droit de l'attaquer. Charge, je comprends pas en fait. Ouais, en fait, je crois qu'il se protège la tête et que. Faut que je passe dans une zone où ça le permet de sortir sa tête. Enfin voilà, vous me comprenez. Genre voilà, il se protège plus. Boum, et hop, dans les dents. Il a l'air de bien mourir là-dedans. Oh punaise. Putain, je comprends pas comment ils marchent ces trucs là quoi. Attendez, parce que je souffre. Ah non, je souffre pas en fait. En fait, l'écran il est rouge normalement. Ah bah voilà, on l'a tué. Mais c'est parfait. C'est génial. Ça a ouvert le truc à gauche là. C'est horrible. Qui c'est ce type? C'était terrifiant. C'est sûrement le débarras de l'atelier du théâtre. Ok, on s'en fout. Je vais peut-être débloquer l'ascenseur, non? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Je vois pas trop l'intérêt de ce système de sécurité, mais bon. Pas la peine, mon petit charge. Et déjà là. Quoi? Ah oui, ok, j'ai compris, c'était l'interrupteur. Bon, je suppose que je descends là-dedans. Genre, j'aime bien parce qu'on a monté pour descendre dans... C'est quoi l'intérêt? Ah, c'est pour que je puisse redescendre, ok. J'ai compris le principe. Bah, qu'est-ce qu'il fait là, le Stan? Ah, merde. Oui, du coup, je comprends l'intérêt de la sécurité. C'est pas vrai. Stan est mort. Et maintenant, on est coincés. On va tous y passer. Oh, mince.
Mais oui. Non mais attendez, je vais charger, je vais enlever la sécurité. Le truc moche, c'est qu'il va falloir que je retue le monstre, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout. Je recommence. Bon, voilà, j'ai retué la chose. On va essayer de garder Stan en vie, hein. Alors, on va activer la sécurité. Sécurité. Voilà. Le monde charge ne peut plus bouger. Ainsi, Stan ne va pas mourir bêtement, écrasé par un ascenseur. N'est-ce pas? Tout se passe pour le mieux du monde. Ben, mince alors. Ah non, Stan est vivant. Le monde charge s'est effondré. On est coincé. Eh ben dis donc, quelle chance. Génial. Tous mes amis sont là. Ouais, il ne peut plus rien nous arriver. Alors, petit point santé. Bon, il y a juste Shannon qui a un peu mal, mais pas beaucoup. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à trouver ici. Genre une lampe, là. Il n'y a rien d'intéressant. Bon. C'est cool. J'ai battu deux fois un monstre. Là, je sais pas où je suis, il n'y a pas de carte. Ça, je me disais, c'est bizarre, parce que si l'ascenseur tombe pas, ça tue un peu la trame scénaristique. Donc, c'était sûr que l'ascenseur allait tomber. Et du coup, j'ai vraiment cru que la deuxième fois, Stan allait mourir aussi. Mais bon, on s'en fout. Avançons. Enfin, si mon personnage y arrive. Et si j'ai envie aussi. Si les gens savaient qu'il y a ça sous l'école... Alors, cet écran-là, je sens absolument pas cette scène. Je vais faire une petite sauvegarde. Genre l'air de rien. Avant, ok, tout est gravé. Avant que je meure vraiment. Allô? Genre c'est bizarre, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a rien dans ce couloir, c'est impossible. Oh punaise, il y a des gens. Il y a des gens. Couchés, à plat ventre. Une energy drink ici. Il y a des gens qui crient aussi. Il n'y a rien du tout. C'est juste des hallucinations auditives. Génial. Punaise, c'est... Ah, mais je suis dans le couloir avec Kenny, là. Je sais pas d'où... D'où vient ce bruit, mais ça me fait pas confiance. Attendez, je vais aller là-bas. Oui, c'est bien. On lui dira. Je peux prendre un message si vous le désirez. La porte est fermée à clé. Tu es rentré dans une pièce totalement pif. Oh mon dieu, c'est lui! Il a survécu. Mais il était mort. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à trouver ici. Mais je suis certain de la direction dans laquelle je vais là. Et c'est normal que mon gars le vise, genre c'est un ennemi. Ah oui, c'est un ennemi. Ah ben il est mort. Magnifique. Il n'y a plus rien à ramasser ici. Vous l'avez entendu? Genre il croit savoir qu'est-ce qu'il y a encore à ramasser ou pas. Ok, ça s'est fermé. C'est génial. Ouverture de porte, si j'y arrive. La. Ouh. C'est bien fait l'effet de lumière de lens flare. Tiens, allons par là. Ouais, c'est bien, il y a une porte là, j'aime bien ça. C'est sympathique. On est où là? Il doit y avoir quelque chose d'intéressant par ici. Genre ça? Si vous lisez cette lettre, vous avez probablement été, tout comme je le fus, enfermé par Herbert Friedman. Je ne peux pas sortir, mais vous serez peut-être plus chanceux que moi. Je crains d'être bientôt utilisé comme cobaye, comme tous ces autres élèves. Si vous vous en sortez, j'ai rassemblé dans un coffre fort caché dans l'internat toutes les preuves nécessaires à faire tomber Friedman. Je sais pas pourquoi, le mec n'a pas eu le temps de les utiliser lui-même. Trouvez-le. C'est quoi ces choses-là? Je suis sûr qu'il y a quelque chose à trouver ici. Ah, attendez ça, j'ai l'impression que je peux le pousser. Ça aussi en fait.
Je dois pouvoir ouvrir des trucs. Bon, on verra ça la prochaine fois. On va arrêter notre épisode là. C'est condamné. Ah, cette pièce, il y a l'air de... ne rien avoir de dangereux dedans. Je vais sauvegarder. Oh, j'aurais utilisé beaucoup de disques dans cet épisode. Plus que d'habitude. Ah, nous sommes... Ok, c'est réglé. Nous sommes quand même déjà à pas mal de... d'heures de jeu. Non, 2h28. Oh oui, ça va vite en fait. Voilà, donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et ben à plus.